La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps Vivre bien, vivre mieux vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Moura, la mémoire incendiée, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Marie Ramu de Pays Libre. Bonjour Marie. Bonjour. Il s'agit d'un roman historique. Oui, alors exactement. En fait, on va suivre Moura, cette jeune femme qui est née à la toute fin du 19e siècle dans la haute noblesse russe. Et on va suivre toute sa vie vraiment à travers l'entier du 20e siècle. Donc elle est née à l'époque où la noblesse russe était vraiment au top de sa richesse et de son pouvoir. Et avec la révolution bolchevique et ensuite la Première Guerre mondiale, elle va vraiment se retrouver sans rien, complètement reniée par le tsar, car son père a osé le contredire sur une décision politique. Donc en fait, elle va vraiment retomber dans la misère et dans l'anonymat total. Elle va s'exiler en Allemagne et elle va avoir une vie complètement dingue. Elle décide de vivre malgré tout, malgré la guerre, malgré la pauvreté, malgré la perte de toute sa famille et de tous ses amis. Elle est totalement déjantée, en fait. Et c'est un roman de 700 pages, historique. Pourtant, on le lit vraiment comme une saga romanesque et étourdissante. Est-ce que pour autant le style est bon? Est-ce que c'est bien écrit? Oui, alors Alexandra Lapierre est quand même renommée pour son style et pour sa facilité à décrire des destins de femmes. Donc le style est vraiment très beau et reste quand même fluide, donc totalement abordable, mais c'est vraiment très très bien écrit. Qu'est-ce qui vous a plu chez cette femme? Le fait qu'elle décide de vivre malgré tout, en fait, de rester toujours elle-même et de décider de continuer à vivre et de ne pas s'incliner devant la violence du XXe siècle. Merci beaucoup Marie. Un destin de femme pas comme les autres, ça vaut la peine et c'est chez votre libraire préféré. Marque Page, c'est terminé pour aujourd'hui, mais d'autres destins nous viendront vous conter ici dans Marque Page, peut-être même dès demain. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et Notre Temps Vivre Bien, Vivre Mieux vous ont présenté Marque Page.